voulez comprendre et vous amuser à jouer un walking bass, je vous dis tout juste après ça. Bonjour, c'est Marina Graff. Je suis pianiste, chanteuse et professeure de piano et de théorie musicale. Et si vous cherchez à vous amuser sur votre piano tout en jouant vos morceaux préférés, bienvenue sur cette chaîne. Il suffit pour cela d'appuyer sur le bouton « Abonner » ainsi que la petite cloche de notification pour être tenu au courant de toute nouvelle vidéo. Walking bass veut dire la basse qui marche, ce qui veut dire que notre main gauche va être très dynamique en jouant principalement une rythmique basée sur des noirs. Il y a trois principes pour jouer un walking bass. Le premier, c'est d'utiliser tout simplement les notes des accords que vous allez jouer dans votre grille. La deuxième chose, c'est d'utiliser les notes de la gamme principale. Et la troisième, de mettre des petits chromatismes qui vont permettre d'enrichir et de dynamiser encore plus. Pour illustrer mon exemple du walking bass, je vous propose de jouer la partie A du morceau « Les feuilles mortes » ou également connu sous le nom de « Autumn Leaves » qui a été écrit en 1950 par Jacques Prévert et dont la musique a été composée par Joseph Kosma. Voici les accords que nous allons utiliser. Do mineur 7, Sol si bémol Do mi bémol, Fa 7, Fa la Do mi bémol, Si bémol majeur 7, Fa la Si bémol Ré, Mi bémol majeur 7, Mi bémol, Sol, Si bémol, Ré. La mineur 7 avec une quinte bémol. Mi bémol, Sol, La, Do. Ré 7, Ré, Fa dièse, La, Do. Et on termine avec Sol mineur 7. Ré, Fa, Sol, Si bémol. Le walking bass que je vais vous montrer est essentiellement basé sur nos fameux trois principes. Je joue l'accord à trois sons de Do mineur et je descends d'un demi-ton pour arriver sur Fa en descendant la gamme. J'arrive sur Si bémol, les notes de l'accord, petit chromatisme et j'arrive Mi bémol. Je descends la gamme. La mineur 7 avec une quinte bémol. Je monte les notes de l'accord, un chromatisme, avant d'arriver sur l'accord de Ré en descendant la gamme. Sol mineur, je monte les notes de l'accord. Je vous le joue un petit peu plus rapidement. Et maintenant, je vous le montre mains ensemble, lentement. Et je vous montre un petit bonus avec une main droite qui joue des rythmes syncopés. Bien sûr, il existe plusieurs manières d'interpréter un walking bass et qui sera spécifique
à chacun. Donc n'hésitez pas à jouer vos suites d'accords préférées et de laisser vagabonder votre main gauche au gré de votre imagination. Si cette vidéo vous a plu, eh bien partagez-la, mettez-moi un petit pouce, ça fait toujours très plaisir. Pensez à me mettre des commentaires parce que j'adore vous lire et je prends le temps de répondre à tout le monde. Abonnez-vous pour avoir d'autres conseils et je vous dis à bientôt. Ciao !